Ah, ça va être sympa, je crois. Merci, merci. Merci. Ah, tous ces applaudissements fake, ça fait plaisir. Ils sont 100 en compétition, à la fin, il n'en restera qu'un. Bienvenue dans le maillon, dans HeroCorp Survivor. Survivor. Le survivor des personnages de HeroCorp. Alors, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un jeu qui va se dérouler en plusieurs manches et dont le but est de faire gagner votre personnage préféré de la série. Voici, sans plus attendre, les personnages en compétition. Attention, ça va aller vite. Il est dangereux, Hermé. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il voit pas? C'est hyper méchant, une araignée. Tu connais pas? Oui, tu déranges! C'est moi le patron. On me traite de salope souvent aussi. Troisième mec qui propose des boulots, toi. Vous êtes de garde dehors pour chasser les bêtes. Une autre question? Une respi, une poussée! On va mettre en scène sa disparition. Ok, c'était pas nécessaire. Beaucoup d'entre nous ont été tués. Oui, je sais. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais non, bien sûr que non! On est jumeaux, mais j'ai jamais eu le droit d'exister. Je suis un super-héros. C'est extrêmement exagéré. Quand tu me dis s'il faut plus, parce que j'ai pas envie de me faire doubler. Je vais noter pour me rappeler. Hein. Comment ils sont rentrés sur Terre? Peut-être le cobaye parfait. Alors en mangeant très salé. La mort et le pipi séché. Qu'est-ce que vous faites? T'es mystérieux, non? Tu vas t'en remettre ou quoi? Tu sais ce qu'on va faire aujourd'hui? Une machine qui crée un être vivant. Qu'est-ce que vous voulez? C'est bon, c'est juste un café. Je vous aime pas. Moi, ma spécialité, c'est le pain. Les gars, faites un effort. Tu vas t'en sortir, te laisse pas abattre. Je dis les trucs sincèrement ou j'enjolive un peu? Quelle est ta peur? Vous êtes complètement inconscient. Vous en avez rien à foutre ou comment ça se passe? La réception n'en sera que meilleure. Vous faites pas du tout dans le chirurgical en fait. Tu le... Défendre les intérêts de mon pays. Ça s'est bien passé? Vous savez même pas ce que c'est mon pouvoir? Je sais pas, je me suis jamais posé la question. C'est marqué sur les murs avec du sang! Et t'as vu combien de temps je tiens en apnée? Le premier qui joue la comédie, je lui tire une balle dans le bide. Tu l'as déjà vu saigner? Monsieur Dwink? Très bien, ça va leur faire plaisir à mon avis. C'est important pour vous de montrer aux civils que vous ne les oubliez pas. Si vous croyez que je vais vous le dire! Tu crois que j'ai pas déjà essayé? Revenez-nous avec de bons résultats et on s'occupe du reste. Frère des ours, je vais leur envoyer ma vision de cette nuit. Alors? On dit pas bonjour? C'est votre manière de négocier? Je t'ai toujours considéré comme mon petit garçon. C'est qui le prisonnier? C'est même très très bon. Ça peut être n'importe qui. Mais on s'en fout de... Aidez-moi! Contentez-vous de faire ce qu'on vous suggère de faire. Vous êtes chiant! Ah, votre prénom c'est méchant. Tu vas prendre Saint-Laurent. Je les voyais pas du tout comme ça, hein. Mais il y a eu un petit contretemps. Alors là, les man, ça va fighter. Je sais pas. En fait, c'est pour ça que vous arrivez à vous défendre. C'est un peu déstabilisant. Ah bah je sais, ça fait une heure que je vous entends gueuler. C'est la première fois que j'en rencontre. C'est vachement dur à dire, non? Il sauve le monde en plus. C'est très bien. Je peux vous aider à redevenir un grand super-héros. On est vraiment obligé de parler de ça. Moi j'en ai un 900 ou 945. Vous voyez, vous avez compris avec le. J'ai une machine à voyager dans le temps. Ça va pas, non? Je suis désolé, mais je sens pas votre truc. Je peux manger les champignons là? Ah oui, il y a lui aussi. Évidemment. Si l'appellation de certains personnages ne vous évoque pas grand-chose, comme par exemple l'étudiant ou la passante, eh bien sachez que je n'ai pas spécialement de fin à cette phrase. Voici tout de suite un avant-propos chiant. Le but premier, et même le but tout court de ce jeu, n'est pas d'établir des statistiques avec rigueur, mais simplement de se divertir et de s'amuser autour de cette série qu'on adore, HeroCorp. Je rappelle également que ce sont les personnages qui sont mis en compétition, pas les comédiens et les comédiennes, même si bien évidemment l'appréciation d'un personnage peut dépendre de son interprète, mais loin de moi l'idée d'établir un classement du casting, ça n'aurait aucun intérêt, si ce n'est d'attiser des tensions menant à un chaos qui mettrait en péril l'harmonie sur laquelle tous les peuples reposent. Je ne sais pas pourquoi je regarde cette fiche depuis tout à l'heure, c'est une feuille de papier d'imprimante A4, il n'y a rien marqué dessus, ça n'a aucun intérêt, il n'y a pas de deuxième caméra, donc on passe tout de suite à la manche 1. Pardon, insupportable hein, ce jingle, je me permets de le dire. Les 100 personnages ont été répartis dans cette première manche de manière totalement random, avec la fonction rand d'Excel, hein, ça me semblait important de le préciser, dans 4 équipes.
L'équipe Fury Girl, composée du monstre enchaîné de Valur, Nashim, l'organisateur du grand tournoi, Croc, Burt, Bishop, Eshita, Jean-Micheng, le voisin, Virginie, Ron, Vapor Action, le cordonnier, le policier, Croco, le garde au rideau de feuilles, Jane, Clarence, McCormack, Captain Trois-Rivières, le maire Favreau, Ferman, Hoodwink, Laurence et Jean. L'équipe Volcano, composée de Eraste, le Fallon, le Vendeur, la Passante, Zagam, l'homme du commando, Steve, le second berger, Jacques Distin, la femme payée pour faire semblant de se noyer et un personnage au nom de longueur raisonnable, Cécile, Captain Canada, Tour, Bibou, l'autre journaliste, Chloé, Assassine, Eshana, l'habitant, Invisiblor, Yanku, Stan, Kill, le sergent Haro et Théodore. L'équipe Electron, composée de Claudine, la journaliste, l'étudiant, Hypnos, le chanteur, Marie, Mick, Alan, l'agresseur, Geneviève, Snake, l'agent Hérocorp, Klaus, Julien, John, Grina, Calvin, Neil McCormack, Bill Meursault, Britney, Goliath, Stéphanie, donc Perséphone, le berger, Araignée Man et Elena. Et enfin, l'équipe Jean-François, composée de Megan, Ongle Attack, le vampire de jour, le standardiste, Duco, Kelly, Captain Sport Extrême, Miss Moore, Hogger, le médecin, John Senior, Rémi Pierre, Chauve-Souris Man, le journaliste, le citoyen agressé, Jennifer, le chef du village, Joe, Doug, Oman, The Lord, Fourmi Man, Dan, Clint et le visiteur du futur. Là, si je peux me permettre, je me suis jamais fait autant chier de toute ma vie. Une cinquième équipe, composée de Robocop, Nathalie Portman, Thierry Beccaro, Kamel Wally, Pimprenel, Poil de Carotte, Louis de Bavière, Nagui, le professeur Chourave, Iti, la Fédération Française de Bridge, Alphonse de Lamartine, Carapuce, Eminem, Jean-Fabrice Mortadelle, aucune idée de qui c'est, Madame de Sévigné, les Kids United, Gollum, Lara Croft, Catherine Lara, Victor Hugo, Hugo Boss, Hugo l'Escargot, du Beurre de Micelle et l'Avarice étaient initialement en compétition, mais la production de ce jeu m'a fait très justement remarquer que ce ne sont pas des personnages de HeroCorp, donc nous ne pouvons pas la retenir, donc ça dégage. À l'issue de cette première manche, 6 personnages seront éliminés dans chaque équipe. Attention, les consignes sont différentes par équipe, mais je vous rassure, elles ne sont pas compliquées. Dans l'équipe Fury Girl, vous devez sauver 6 personnages et éliminer 6 personnages. J'attribuerai 2 points à chaque personnage sauvé et moins 1 point à chaque personnage éliminé. Dans l'équipe Volcano, vous devez faire un classement de 12 personnages que vous voulez sauver. Le premier correspondant au personnage que vous voulez le plus sauver. J'attribuerai 12 points au premier personnage de votre classement, 11 points au deuxième, et ainsi de suite, jusqu'à 1 point au 12e. Dans l'équipe Electron, vous devez éliminer 12 personnages sans faire de classement, l'ordre n'a pas d'importance, j'attribuerai moins 1 point à chaque personnage éliminé. Et dans l'équipe Jean-François, vous devez répartir comme vous le voulez 30 points sur les personnages de votre choix pour les sauver. Ça peut être 2 points répartis sur 15 personnages, 10 points répartis sur 3 personnages, 30 points attribués au même personnage, pourquoi pas. Vous faites comme vous voulez, mais il faut que le total des points que vous attribuez soit égal à 30. J'attribuerai le nombre de points que vous avez attribués à chaque personnage. À l'issue de cette première manche, je comptabiliserai les points dans chaque équipe, et les 6 personnages de chaque équipe qui auront obtenu le plus mauvais score seront éliminés, soit 24 personnages éliminés au total. Voici un exemple de ce que vous devez écrire. Vous pouvez écrire avec la syntaxe que vous voulez, faire des abréviations, du moment que je comprends ce que vous faites, et si vous voulez, pour vous aider, la liste des personnages, ainsi qu'un modèle, un template de ce qu'il faut écrire à copier-coller, sont disponibles dans la description de la vidéo. Vous pouvez jouer soit dans l'espace commentaire sur YouTube, soit directement en réponse à la publication de cette vidéo sur les réseaux sociaux. Toutes les participations seront prises en compte. Vous avez une semaine, c'est-à-dire jusqu'au vendredi 5 avril à 2019 à 19h pour jouer. Au-delà, les participations ne seront plus prises en compte.
Et bien sûr, d'ici là, hein, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser, je suis là pour ça. De préférence, des questions sur le jeu, hein. Vous pouvez me poser des questions sur l'inégalité de Bennett, hein, cette inégalité démontrée en 1962, hein, inégalité de concentration qui donne une majoration de la fonction génératrice des cumulants de la somme des variables indépendantes majorées et centrées, et qui en conséquence majore la probabilité que cette somme dévie avec une quantité donnée, mais je ne suis pas certain d'avoir envie d'y répondre, hein. Voilà. Donc, bonne chance, les héros copains et les héros copines. À très bientôt pour les résultats et pour la manche 2. À vous de jouer.